Pardon, je sais que j'appelle un peu tard, mais ça a duré plus longtemps que prévu. On crie pas victoire, mais ça sent plutôt bon. On a vraiment bien fait d'anticiper, ça fait toute la différence. Voilà, j'espère que tout va bien à Paris. On s'appelle demain. Bye. Ok, c'est bon, on peut y aller. Je fais ça tous les matins pour aider à canaliser mon énergie et mieux la répartir sur la journée. Mais ça m'évite surtout d'avoir envie de buter mes collègues. Il faut couper ça. Hein. Je les adore, mes collègues. I love my colleagues. Well, the thing is, I'm not supposed to go there for the moment, but... Yes. Yes, I can maybe ask my partners about that. Yes? I call you back as soon as I know, okay? Thank you. Bye. Tu sais, je me disais... vu que c'est pas un si gros dossier que ça, peut-être que je peux directement aller moi-même voir le repreneur? Non, c'est responsable d'y aller. Mais tu seras responsable peut-être un jour. Who knows? Écoute, c'est quand même super touchy. On parle d'une énorme multinationale. Donc bon, ils m'ont demandé mon avis et je leur ai dit Alain doit y aller. Il a l'air un peu solide, c'est normal. Ouais, t'as sans doute bien fait. Après, tu sais, c'est bien que toi aussi tu t'imposes. Hein. Enfin, je veux dire, si te laisse la possibilité d'y aller. Bah, bien sûr qu'il me laisse la possibilité d'y aller. Ça va quand même, il n'y a pas que chez Sémaphore que les juniors peuvent aller sur le terrain. Non, attends, ça fait 8 mois que je bosse comme une malade pour eux. S'ils me laissaient pas y aller, ce serait vraiment des... Margot, t'enflamme pas, je disais ça comme ça. C'est juste que parfois, bah, j'ai l'impression que t'es du le corps un peu. Attends, moi j'ai du le corps? Non mais tu te moques de moi, c'est l'hôpital de toutes les charités, là. Écoute, Daphné, si je n'allais pas, je te le dirais, d'accord? Alors maintenant, je vais te laisser, j'ai vraiment trop de trucs à faire, là, ok? Salut.